Salut! J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien aujourd'hui. Il faut pas avoir peur d'être soi-même. Oscar Wilde a cité, faut être soi-même parce que toutes les autres sont déjà pris. C'est important de porter attention à qui on est, puis à pas avoir peur d'être soi-même. Comme d'habitude, si vous voulez me donner un coup de main et vous aimez ce genre de vidéo, on appuie sur like. On appuie sur la petite cloche si on veut être averti qu'il y a une nouvelle vidéo. Laisse un commentaire ou bien abonne-toi. Ne pas avoir peur d'être soi-même. Lorsqu'on a peur d'être soi-même, c'est lorsqu'on commence à plier au désir des autres, à ce que les autres perçoivent comme ce qui est correct. C'est comme nous, on dit, ah, si cette personne-là aime ça, ben il faut que je sois exactement comme la personne voudrait que je sois. Non. On est tout un être individuel. On a une certaine couleur à apporter dans nos vies, dans notre monde. Oui, être soi-même, ça nous place dans une position très vulnérable. Ça nous ouvre à la critique. Ça nous ouvre au monde qui va nous pointer du doigt, du monde qui va vouloir nous rabaisser. Mais être soi-même, commence à le faire, puis tu vas remarquer que tu vas amener quelque chose d'unique dans ce monde, au travail, avec tes amis, les personnes que tu aimes. Puis porte attention. Lorsque tu commences à toujours être toi-même, puis tu n'as plus peur d'être toi-même, tu vas commencer à remarquer que les gens ou certaines personnes vont te regarder différemment. Puis il y a certaines de ces personnes-là qui vont apprécier que tu es honnête, honnête avec toi-même, puis que tu n'as pas peur d'être qui tu es vraiment. Ces personnes-là, c'est les personnes que tu devrais être le plus proche. S'il vous plaît, on reste en santé, puis on reste en sécurité.